Bonjour Larry Tremblay. Bonjour Catherine. Alors, on fait un laboratoire sur ta pièce « Abraham Lincoln va au théâtre ». Et je me posais des questions sur l'origine de la pièce. Comment t'es venue l'inspiration de l'écriture? En fait, j'avais écrit une scène. L'idée, c'était deux personnes qui parlent d'une personne qui n'est pas là. Mais je n'avais pas de nom, pas de personnage, pas de situation. L'idée, c'était simplement deux personnes qui parlent d'une autre, okay, en son absence. Et au fil des réécritures de cette petite scène, je me suis aperçu que c'était deux acteurs qui parlaient d'un metteur en scène. C'est tout. Or, quelques années plus tard, je me suis retrouvé à Washington. Et là, j'ai visité le Ford Theatre. Okay. Et c'est là que j'ai appris que Abraham Lincoln a été assassiné par John Wilkes Booth le 14 avril 1865, et que John Wilkes Booth est un acteur de 26 ans. Et j'ai été envahi par une illumination. J'ai visité tout ce qui pouvait être visité et visitable au Ford Theatre. J'ai vu les gouttes de sang d'Abraham Lincoln sur le tapis de sa loge. C'est encore là? Oui. Ah oui? Ils l'ont pas nettoyé. Ben, en fait, non, ils l'ont pas nettoyé. Il y a un musée dans le sous-sol. J'ai vu la botte que portait John Wilkes Booth parce qu'il était sur le balcon et il a sauté sur la scène et il s'est fracturé une jambe. Et donc, on a retrouvé sa botte découpée parce qu'il a été soigné éventuellement. Okay. Donc, c'est là que j'ai fait le lien entre mes deux acteurs qui parlent d'un metteur en scène et cet assassinat politique. C'est-à-dire que je me suis dit, le metteur en scène dont on parle veut faire un spectacle sur l'Amérique. Et pour ce faire, il va s'inspirer de l'événement historique de l'assassinat d'Abraham Lincoln. Et au lieu d'en faire une tragédie, j'ai dit, je vais écrire une comédie. Donc, il engage deux acteurs et il leur demande d'emprunter les figures comiques de Laurel et Hardy pour raconter cette histoire abracadabrante d'un jeune acteur qui tue un président des États-Unis dans le contexte, évidemment, de la guerre de sécession, les nordistes, les sudistes, le blanc, le noir, etc. Donc, il y a vraiment une importance sur la mise en spectacle dans ton œuvre. Puis, c'est aussi une notion qu'on peut retrouver encore. On a quand même une figure assez clownesque là, qui vient de partir, qu'on vient d'arracher du Capitole, de la Maison-Blanche. Ah, tu parles de Donald. Oui, je parle de Donald Trump. Donc, cette mise en spectacle-là se poursuit encore, parce que c'est une pièce que tu as écrite en 2008, si je me souviens bien. Ah, c'était une pièce qui m'a demandé une dizaine d'années. Mais comme il y avait la petite scène qui a traîné dans un tiroir très longtemps, et puis ensuite, comme j'écris toujours plusieurs pièces ou romans, je dirais pas en même temps, mais certaines, je les arrête, je les mets sur pause, etc., ce qui fait que ça peut prendre parfois beaucoup de temps. Celle-ci m'a demandé plus de temps que d'habitude parce que j'attendais vraiment de mieux comprendre la mécanique d'Abraham Lincoln va au théâtre. Mais je me suis beaucoup amusé à l'écrire et je découvrais au fur et à mesure la pièce parce que je n'ai pas de plan, je n'écris jamais sans un plan. J'ai pas besoin de plan, c'est les personnages qui me guident, en fait. Voilà. Mais oui, je suis autant surpris qu'eux. Oui, il y a un mécanisme assez original et en fait, c'est ce qui m'appelle beaucoup aussi dans cette forme-là, cette mise en abîme constante. Ça a rapport, j'ai l'impression, avec une constante dans ton œuvre. Oui, en fait, tu sais d'où ça vient, Catherine? Non. Je savais que tu ne savais pas. Ben, en fait, ça vient de mes lectures philosophiques quand j'étais jeune ado. Okay. C'est basé sur toute la construction de son identité, de son ego. L'ego, c'est un objet et on peut le déconstruire, le reconstruire. On a une identité de base, si tu veux, mais on a toute liberté de la modifier, de l'amplifier, de la parfaire par d'autres formes d'identité. Parce que le danger, c'est de rester bloqué dans une seule identité et de vouloir la défendre comme si un chien défend son os. Mm. L'identité peut être ludique. Elle a différentes facettes. Il faut gérer toute cette richesse de l'identité. Et c'est pourquoi le théâtre m'a appelé très, très jeune. Parce qu'au théâtre, l'auteur dramatique peut se projeter dans multiples personnages, multiples sexes, genres, formes, couleurs.
Et ça fait partie de ma pensée philosophique sur l'identité, dans le fond. Et donc, pourquoi pas un personnage ne pourrait-il pas, dans une pièce de théâtre, revêtir plusieurs identités de façon ludique? Mm-hmm. Voilà. Et je l'ai fait de façon claire dans ma pièce Abraham Lincoln dans le théâtre. Oui, tout à fait. Puis c'est le défi, c'est de voir comment illustrer ce mécanisme-là. Et puis en plus, tu parles d'acteurs, c'est des personnages d'acteurs, donc cette identité multiple ou mouvante, on ne peut pas avoir meilleur foyer. Non, parce qu'un acteur joue un personnage, ce personnage a un nom, l'acteur a un nom, oui. Mais ce personnage pourrait-il lui-même jouer un autre personnage qui lui aussi a un nom, et ça pourrait être infini, ce processus. Oui. Et tout le monde rêve finalement d'avoir plusieurs personnalités, plusieurs aventures, plusieurs destins, plusieurs vies, plusieurs morts, mais aussi une vie après les morts, donc une espèce de renaissance perpétuelle. C'est la jouvence! Pour le laboratoire, j'ai voulu pousser plus loin la mise en abîme qu'il y a dans le texte déjà. Alors, j'ai demandé à une actrice de me jouer. Qui? J'avais le choix, mais j'ai pris vraiment une actrice que j'adore, une actrice extraordinaire, probablement la meilleure du Québec. Mais si je te dis la meilleure du Québec... Olivia Palacci, peut-être? Exactement. Ah. C'est à elle, tout à fait. On pense tout de suite à elle. Alors, te rappelles-tu... Quand je t'ai demandé... Quand je t'ai demandé... Bon, te rappelles-tu, Olivia, quand je t'ai demandé... Ouais. En fait, je t'ai lancé ça assez spontanément. Je fais « Hey, est-ce que tu me jouerais? Mm. » Tu t'es dit... Ça va être dur. Mais non, j'ai dit oui tout de suite. Est-ce que tu as eu des angoisses jouant une metteur en scène qui était toujours sur place et qui voulait que tu l'imites d'une certaine façon? Est-ce que tu te sentais un petit peu traquée, piégée? Non, c'est elle qui devait se sentir traquée parce que je l'observais. Je l'observe encore, j'arrête pas de l'imiter. Mais je sais pas à quel point on va garder ça, de t'imiter, Non, c'est drôle. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une pression, mais je veux dire, d'habitude, quand je joue un personnage, je crée le personnage. Je veux dire, je me l'adapte, je me l'approprie. Alors que là, je veux dire, c'est moi qui m'adapte. Mais en même temps, je n'ai pas demandé exercice d'imitation. J'ai fait, bon, je ne suis pas une personnalité publique, fait que tu peux bien me jouer comme tu veux. Il n'y a personne, à part ma mère, et quelques amis qui vont faire « Est-ce que c'est vraiment Catherine? » On mise vraiment tout sur les cheveux, en fait. Oui, ah, voilà. Oui, voilà. C'est vraiment juste ça. Oui. Non, ben, finalement, l'idée, c'est de fouiller dans la pratique cette idée d'imitation, parce que j'en parle dans la pièce. On est dans une époque où l'imitateur est plus important que l'imité, mm-hmm. si je me souviens bien, mm-hmm. je m'auto-cite. Oui, oui. Mais ça fait partie d'une réflexion qu'on retrouve dans la pièce. Et donc, tu l'as reprise, cette réflexion, et tu t'as demandé qu'on l'incarne. Oui. Et donc, ça va. Ouais. C'est une richesse, le laboratoire, qui va permettre d'enrichir le futur spectacle. Tout à fait. Mm. C'est pas nécessairement ça qu'on va faire, parce que c'est des essais. Mm. Mais comme tu m'avais dit il y a pas longtemps, tu m'as dit ça va quand même circuler dans cette matière noire-là. Tu sais, qu'est-ce qu'on. On fait des recherches, on défriche des sentiers, puis nécessairement, il y a des choses qui vont rester. Mmh. On ne sait pas quoi exactement, mais... Et puis c'est très rare, en tant que comédien, d'avoir accès à toutes les réflexions qu'un metteur en scène a aussi. Je veux dire, la plupart du temps, vous nous dirigez, et on va dans le sens de votre direction, mais là, quand je te joue, oui. Je dis tout ce que je pense. Donc, en fait, tout ce que toi, tu penses, mais... C'est rendu tout ce que moi, je pense. Oui, oui, oui. Mais tu comprends? Fait que c'est drôle parce qu'on fait tellement de variations sur les scènes. Il y a un moment donné où on joue plusieurs fois la scène, là, numéro 4. Mm. Entre autres, on fait aussi d'autres scènes. Mais on voit à quel point tout est un choix et à quel point tout change. C'est un plaisir de casse-tête, de... C'est beau et en même temps terrible, cette pièce. Surtout, tu vois, avec les élections américaines, Donald Trump, l'insurrection au Capitole. Ouais. La pièce me semble encore plus actuelle, plus chaude uh-huh. qu'au moment où moi je l'ai écrite. Parce que j'étais beaucoup plus dans ma réflexion sur l'Amérique de façon générale. Mm. Mais là, on dirait qu'elle a pris un sens un petit peu plus précis au sens que justement, il y a des événements aux États-Unis qui se sont produits et qui continuent à se produire. Et la pièce en révèle, si tu veux, les arcanes secrètes.
Tout à fait, oui, c'est vrai. Puis on n'a pas eu le choix d'en témoigner à un moment donné. On s'est dit, bon, dans un laboratoire, il faut y toucher même de façon très... Oui, parce que le théâtre, c'est le moment présent. Hein. Donc, oui, tout à fait. Et donc, un texte va changer de valeur ou d'épaisseur en fonction du moment où il est créé. Oui. J'ai bien hâte. Oui, moi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et bien, je sais pas pourquoi j'ai demandé à Olivier de m'imiter. Merci.